Le 4, Flavie Poncé, Crosso Cyclisme. Le numéro 5 pour Flavie Kirch. Le 6, Galézotte Electa. Lucie et Adam du team Avenois portent le 215. Le 16, Carbelotto, donc Moran pour le team FIMA RDV Backshop. Avec le de Sardin. Pour le moment, on rappelle donc pour l'instant donc avec Colas, avec Giraud. Donc Giraud Tanir qui fait le bon départ pour l'instant donc avec Michel Mille. Famille Giraud est passée en tête devant Solène Vivois. Nous avions en troisième position Alexandra, Gilles Coubertin. Et en quatrième position, donc c'est un. Effectivement, il me semble bien reconnaître Electa Galzo, qui est en train, semble-t-il, de passer devant. On va voir, on vérifie si c'est bien ça. Nous allons attendre derrière donc en troisième position. On retrouve donc Gazo, donc Electa, en compagnie de Dimoire Solène. Avec le Dota 21, nous avons maintenant Laura Forel. Voilà ce passage Rémi Roman. Et du numéro 12 qui n'est autre que Léa Corabios. Avec le 3 et 16. Nous avons maintenant donc Vita Musique qui vient de passer, suivi donc de Moran Gardelotto. Et là, on retrouve au passage avec Jean-Michel Teta. Et nous avons juste un contrôle. Nous devons donc un petit peu la lampe. Merci Amandine Bidot, on va voir ça tout à l'heure au passage. Alors que derrière, on a maintenant Solène Vivois avec Tagalzo, semble un tout petit peu plus loin maintenant. La voilà qui vient de passer au sommet, est actuellement. Voilà, merci avec Direct Vélo, avec Christian Cassera qui nous fait l'honneur et l'habitude d'être présent pour Direct Vélo, celui qui suit évidemment donc. L'ensemble des épreuves françaises est très grand. Thank you.
Vita, allez, Vita. Passe ton chemin. Ah, un petit peu, ouais, ça va mieux. Ça commence à aller mieux. Passe ton chemin. Bon, Marcel, ton vélo est prêt là-bas dans le coffre. Oui. Articulation, voilà une concurrente qui va bientôt venir en terminer avec cette épreuve au féminin et qui a du public. Vous allez réserver l'accueil que vous lui donnez. Elle nous donne un spectacle extraordinaire. Elle a fait une course d'attente. La voilà dans la dernière ligne droite. Applaudissements pour la gagnante Solène Vivant. Elle était au pied du podium du championnat de France, c'est là qu'elle termine. Je crois qu'on peut la saluer parce qu'elle a animé cette épreuve depuis le départ. Elle a été reprise évidemment dans l'avant-dernier tour, donc dans le dernier tour, donc à moitié du circuit, et celle qui va faire chercher la troisième place de ce podium, qui mérite évidemment autant d'ovations que les premières. Bravo évidemment. Donc avec cette étoile qui en termine à la troisième place avec Vidon Amandé. Les jeunes Jupiters, selon qui avait terminé deuxième. Pour la quatrième place, on devrait voir dans quelques instants l'arrivée donc d'Electa Galzo. Electa Galzo qui a derrière elle Evita Music. Voilà Electa Galzo qui termine quatrième, cinquième Evita Music. Ça dépense.
Donc non, le pas stable là. Moi j'emmène ça et j'emmène la bête. Ok, on va rester avec toi. Et on va faire un peu de Et pour mon dossier people, plus j'en ai plus, je le sais. Ah oui. Le Steve, il est quand même un peu connu. Ah oui. Non, tu sais quoi, stratégie, première zone technique. Je m'arrête, je change la roue. Ah, je pense que c'est trop chaud derrière. Non, quand même pas. T'es pas dans 3 minutes! Mais les Vosgiens, on ne lâche rien. Ils sont au même point. Non, il est gros, ça. Moi, j'ai qu'elle est pour elle. Seulement, mais quand même, il y a quand même des autres gens qui sont équipes qui sont pas. Non, je me dis, les Bretons, non, j'ai pas pris, mais je pense que j'ai pas pris. Thank you.
Thank you.
regarde dans le jury, tout le monde, tout le monde. Elle est après.
encore. La pression se ressentir avec le Valentin Guillot qui s'élève à temps perdu et donc dans la tête à la première place. Le tour de Salini est Primorny, à savoir Cyprien d'Argentine. Donc le tourin Primorny se mettra de marcher en tout cas pour l'instant. Ce qui va nous permettre peut-être que le russe rouillé du Prestigne d'Or. Allez, je vais le faire 29, nous avons le passage ici de Tristan Berrier, du jeu de Yélène Artini Création, le même team dont on est arrivé. Et on attend bien sûr de nouveau le passage ici dans cette petite route. On a vu des hommes costauds passer sur la machine et plus d'autres qui sont obligés de mettre pied à terre et de concéder bien sûr du terrain énorme lors de cette petite ascension. Une petite route alors que la Daniel Ougel, le fonctionnaire du vélo sprint de Guissheim, vient de passer devant nous et on va attendre donc la ligne d'arrivée. Il ne leur restera plus que 3 tours. Je rappelle pour le sport professionnel, c'est une minute de course. Je rappelle les minutes de course sur un temps de 50 minutes. Et là, c'est bien. Populaire parce que depuis ce matin, on rappelle qu'il était exactement 9h15 avec Jean-Paul quand on a commencé par les masters. Après, on a remonté évidemment avec les jeunes catégories. On termine évidemment sur l'épreuve internationale de la ville de Dijon avec le cyclocross UCI, donc du conseil départemental, conseil Jean-Marie, par rapport à ce qu'on a pensé ce matin, par rapport à ce qui est tombé cette nuit, on pouvait s'imaginer qu'aujourd'hui ça allait être le chantier. Et bien non, donc la piste est rendue donc sèche grâce au vent et à la température. Voilà effectivement et ce parcours qui permet donc aux hommes de s'exprimer et de montrer toute leur qualité avec Maurice Rougier, Kostiav, de l'homme de tête, alors que là on avait passé Damien Mugel avec Aurélien Philibert. Et donc sur la route, sur la piste au-dessus, voilà, voilà, le voilà donc l'homme de tête, apparemment solidement accroché
Il me semble bien. Ah, derrière, ça revient. Valentin Guillot se rapproche. Rien n'est joué. Le suspense reste total. Quand on arrive sur une partie relativement plate, eh bien on peut voir que Loris Rouillet reprend un petit peu donc, les secondes. Mais là derrière, donc, on peut apercevoir maintenant donc, avec les coureurs donc, de Turini, Dujon en troisième position. Mais attention derrière, nous avons donc Clément Orny qui est pour l'instant aussi donc à une... Il vient de passer Steve Chenel, alors que pour l'instant, Loris Rouillet, en bon Suisse qu'il est, fait vraiment une course sans faute. Depuis le début, il nous a montré, il nous a fait étalage de faire la dernier tour pour Loris Rouillet. Et Valentin qui pour l'instant donc le voit, allez-y par celui-ci. Pour... les deux hommes de tête, Valentin Guillot, vainqueur sortant, je rappelle donc deuxième du cyclotrans d'Apremont le week-end dernier. Et là pour le cours de Turigny, je crois qu'on peut le saluer par des applaudissements parce qu'il aura fait une course parfaite. Voilà Valentin, Clément Orny, quatrième actuellement. Clément Orny donc qui entame. Derrière Clément, on devrait retrouver peut-être Martin Gros-Lambert, Lornanet. Le voilà, effectivement, Martin Gros-Lambert à la tête pour une très belle place d'honneur. Voilà Martin Gros-Lambert qui passe en compagnie de Thibaut Laniel. Et maintenant, voilà, Steve Chenel. Allez, Steve, c'est le dernier tour de roue pour le cross de Dijon. Pour l'instant, le Suisse de la formation du Cross Team Maison est en train de contenir les assauts donc, de l'homme du team Guilherme Articulation. Est-ce qu'une chute, une glissade peut tout recommencer? Et regardons également un homme qui préserve sa troisième place. C'est le coureur Cyprien Gilles qui était régulier tout au long de l'épreuve. Il essaye bien sûr. Mais surtout évidemment pour l'instant le coureur de Turigny, le coureur dormant avec Cyprien Gilles qui pour l'instant sent le danger parce que Paul Orny a coincé un petit peu. Il était obligé de descendre de son vélo pour les derniers mètres. Dans cette dernière difficulté, il y aura évidemment, donc je rappelle, la première manche de Coupe de France à Nemet. Il a terminé troisième à la deuxième manche. Il remporte une victoire. Le Suisse, Loris Rouillet du Cross-Team Maison. Voilà, je crois qu'on peut saluer Valentin. Quelle course pour Valentin, le vainqueur sortant de ce cross. Et maintenant, on va attendre aussi pour le corps dormant qui a vraiment s'est bagarré pendant toute, pendant 7 heures. Et évidemment, donc je crois qu'on peut le saluer d'une belle façon le Normand de la formation Turigny qui en termine donc 3e. Et là aussi, Cyprien Gilles qui a fait un travail formidable pour Orby qui termine aussi donc 4e au pied du podium. On va attendre. Le coureur de la formation, donc Martin Gros-Lambert qui arrive pour la 5e place. Bravo. Le coureur dormant. Bon retour de Martin. Derrière lui, avec le dossard 30, on devrait retrouver maintenant Thibaut Laniel. Et derrière, ça devrait être l'armée dans quelques instants de Steve Chenel, mais un homme est quand même devant lui. Voilà donc que l'on peut saluer. Avec le 32, il s'agit tout simplement de Nicolas Reculeau. Et dans quelques instants, amis publics, une formidable ovation pour celui qui aura tant amené au cyclocross, monsieur Steve Chenel. Je crois que tout le monde peut se lever pour lui dire un au revoir tout simplement, parce que je rappelle, c'était son dernier cross à Dijon, il va poser le vélo. Il sera à côté évidemment des pistes de la route, 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 des pistes
ici. Il mérite vraiment nos applaudissements. Il nous vient faire du grand niveau. Voilà maintenant l'arrivée dans quelques instants pour les couleurs. Oui, je vois bien. Juste un petit directeur sportif. On va voir ça avec le beaucoup évidemment qui viennent tout simplement donc aider. Je rappelle donc que Mathieu est attendu au podium pour Laurie Frouillet, est attendu donc au podium pour Guilbeau Valentin, est attendu au podium. Le troisième avec Sylvie Prigat de Torigny au podium. On attend évidemment Steve Chanel et on attend également Christophe Rayon, le protocolaire. Allez, mais facile à reconnaître. On voit évidemment la qualité qu'il peut, qu'il s'est décalé un petit peu évidemment du côté de la barbe. Et voilà avec Quentin Bourg pour le corps du saut qui en termine. Alors, on va demander au podium les trois premiers juniors, Paul Sexas, Alexis David et donc Jaron. Le podium, prêt au collège. Pas de retraite, Steve, maintenant, le gravel. Ah oui, ah oui, c'est vrai, oui. C'est pas vrai. Ah oui, oui. Tu devrais pas arrêter. Ça va. Antoine Simonet, le Gaulois qui termine. Et j'avoue que là, c'est deux jours que je suis vraiment récompensé, donc ça me fait du bien au moral. En plus, c'était une C2 aussi à Suisse. Ouais, c'était une C2 à Bulle, ouais, c'était une C2, donc ça me fait aussi des points ici. Et puis voilà, moi, je suis aussi super content d'amener deux victoires pour l'équipe. Ouais. C'est aussi très positif parce que voilà, c'est important, ils font confiance. Donc, je dois leur rendre l'appareil et en rendant l'appareil, c'est de gagner. Donc voilà, je suis content. Vous n'êtes pas venu pour rien avec le team, là, vous étiez plusieurs. Ça s'est bien passé, quoi. Ouais. J'étais super content car Lucas, il a fait de super tours au début. Donc, on a fait une bonne stratégie. Après, j'en ai mis une. J'ai mis un petit peu tout le monde dans un faux rythme. Il faut avouer que Valentin, il était très très fort, il est revenu très fort, mais je me suis pas trop affolé. Et puis, dès qu'il est revenu, après, j'ai remis une raquette et puis je pense que ça lui a fait mal. T'as pu gérer son retour un peu je me suis pas trop excité. Enfin, s'il était fort, donc c'était qu'une question de temps pour qu'il revienne. Donc, c'était plus facile de l'accepter qu'il revienne que d'essayer de dire non, je veux pas qu'il revienne. Et puis, quand il revient, ça te casse mentalement. Donc voilà. Puis, en fait, quand j'étais derrière lui, il a essayé. Enfin, j'ai dû passer la bosse à pied parce que il m'a bloqué juste avant la ligne d'arrivée. En fait, il y avait une grosse bosse à passer. Et puis, il avait un petit trou. Puis, j'ai réussi à revenir rapidement sur le technique, sur lui. Donc, j'ai vu que j'étais un peu au-dessus, techniquement. Et puis, sur la route, il en a mis. Il roulait vachement fort, j'étais presque inquiet. Et après, j'ai vu qu'il devait vraiment récupérer, donc j'ai compris qu'il fallait renouveler y aller à ce moment-là. Puis j'ai aidé, il a fait une erreur, et puis ça m'a permis de remettre un trou. Et puis voilà, jusqu'à gagner, quoi. Donc, je suis content. Et au niveau du circuit, c'est un circuit qui t'a plu? Bon, c'est particulier, on va dire. C'est particulier, puis il faut avouer que j'étais un poil fatigué encore de ma course de dimanche. C'est une heure de course, de cross, et je fais toujours à bloc, et il faut vraiment du temps pour récupérer. C'est à chaque fois assez violent pour moi, pour le corps. Je sens vraiment que le lendemain de course, je suis très très fatigué. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très positif pour moi, vraiment. Et prochain rendez-vous, championnat d'Europe à Namur, dimanche. Donc, ça fait une bonne prépa entre dimanche et mardi, quoi. C'est une bonne intensité dans la semaine, donc voilà, on verra pour si j'ai récupéré. Et puis voilà, je suis première année élite, donc voilà, je joue pas encore la victoire, mais si je peux faire une bonne place, je serai heureux. Et bah super, je te remercie. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et au critérium, évidemment, passe sur le vélo. Ah, je crois qu'encore, il aime se faire applaudir, je crois qu'on peut lui remettre encore une petite couche. Et voilà, Steve, on va lui remettre. Et voilà, on va lui remettre le premier prix, le premier vieux, c'est ça? Le premier vieux, le premier plus de 39.
Voilà. Voilà pour Steve Chanel. Voilà, c'est ça l'émotion, Jean-Paul. Et oui, effectivement, un homme qui a énormément apporté sous les couleurs au début de la saison des Quai Revirement. Ensuite, il a créé, je me souviens, c'était un soir de Coupe de France à Besançon, à la Malcombe, où il était en train de créer ce cross-team, l'ami Steve Chanel. Voilà, je laisse le son maintenant, Junior. J'apporte un petit correctif en ce qui concerne les féminines. La première junior et la pensionnaire. Allez, les juniors maintenant. Champion de France cadet, il nous vient du vélo club de Villefranche en Beaujolais, Paul Sexas. Et là, évidemment, c'est pareil, un club de cœur, parce qu'évidemment, quand on connaît l'amour de Villefranche-Beaujolais par la famille Barle, c'est pareil, c'est impressionnant, c'est le club d'amitié. C'est vrai que la famille Barle, c'est une famille évidemment exceptionnelle pour le vélo. Ah bah oui, bien sûr, quand on les rencontre, on sait que bah, ils vivent vélo, c'est vraiment, ils ont vraiment ça dans le sang, et puis bah oui, c'est vraiment ça, c'est l'esprit vélo, mais aussi le club, pour eux, ça a toujours été une famille, et c'est les valeurs qu'ils veulent enseigner à tous les coureurs. Alors Paul, est-ce qu'un jour on veut intégrer l'ADN? Je sais pas, peut-être dans le futur, j'espère, et ce serait bien. On saute de tout cœur, mais alors évidemment, la démonstration d'aujourd'hui nous promet évidemment un super fin de saison, à la fois pour les Coupes de France, à la fois évidemment Coupe du Monde, et surtout le Championnat de France. Voilà, et Tom, Paul Sexas va recevoir la Coupe, et Tom Lodontec de la Société Daniel. Alors, il m'est plaisir maintenant de présenter le deuxième, car ce deuxième, il a couru ses débuts en tchèque. Il est rentré à la maternelle. Il a appris le belge. Il a bien compris, évidemment, le message de celle qui termine deuxième. Voilà. Donc, je rappelle à Elia, qui a une belle structure, à la fois, évidemment, dans les rangs professionnels. Bien, écoutez, on peut applaudir déjà notre podium. On attend toujours notre première Solène Bilouin, mais je crois que pour l'instant, elle est retenue par des obligations. Encore une, on remet trophée, on va remettre nos partenaires à côté. Je demanderai à Steve Chanel, il ne va pas dépareiller sur la photo. Vous allez me dire évidemment, donc, aux côtés évidemment, donc, demoiselles Régis. Le président du SCO Dijon va se mettre à côté, évidemment. Hein? On le rappellera tout à l'heure. Vous restez pas loin, les filles, parce qu'on vient d'apprendre que pour l'instant, donc, la vainqueur, elle vient d'être libérée pour venir au podium. Et on va faire les élites, parce que les élites sont aussi donc, des obligations, à la fois, évidemment, par la réglementation fédérale. Ce podium, les demoiselles, vous allez rester sur place, mais je crois qu'on peut les saluer une première fois. On attend évidemment donc la gagnante Solène Bilouin, qui devrait venir nous rejoindre très rapidement. Et maintenant, place aux garçons. Vous restez là, mesdemoiselles. Vous restez là, restez vers nous, parce qu'elle arrive. Et maintenant, place aux élites. Le podium élite que nous allons accueillir avec le pensionnaire du cross-team Legendre, Loris Rouillet, le suite de cette formation que l'on peut saluer pour sa très belle victoire. Voilà son manager qui est en train de saluer Loris. Le deuxième. Voilà avec le deuxième. Le deuxième donc. Avec garçon de Corossus qui pour l'instant donc reçoit Valentin Guyot. Vainqueur l'an passé. Le vainqueur sortant du cyclocross de Dijon. Deuxième dimanche du côté d'Apremont. Garçon qui a brillé évidemment la saison passée. Et le troisième que l'on va accueillir maintenant, c'est Cyprien Gilles. Voilà, deuxième à droite.
Et Cyprien Gilles pour la formation de Torigny. Et c'est Loïc Leblond. Loïc Leblond pour la menuiserie, donc, la ministerie. Qui remet le trophée avec ce fanion publicique. Voilà pour le corps de Torigny. Est-ce qu'il est là, Gilles? Cyprien Gilles, est-ce qu'il est là, Cyprien? Oh, c'est dommage, je ne sais pas qu'ils sont partis, donc... Mais normalement, c'est les six premiers. Alors, on attend Cyprien. Il arrive. On a pu voir avec son maillot bleu, avec la formation de Torigny, le club normand. Un homme qui était parfait de régularité aujourd'hui, occupant toujours la deuxième ou troisième place. Applaudissements pour le troisième de Loïs Torigny, Cyprien Gilles. Voilà, et tout à l'heure me rappelait évidemment donc Bernard Marie. Il se souvient évidemment que Torigny, à plusieurs reprises, ils ont participé au Tour de Côte d'Or. On rappelle évidemment, avec dans cette équipe, il y avait évidemment Alexis Carlin. On rappelle évidemment que Torigny a été drivé pendant une époque par Claude Carlin, l'ancien champion de France. Avec voilà le Steve Chanel, venez sur la photo, vous n'allez pas dépareiller parce que là il y a des jeunes. Avec Régis Bouchèche, vous revenez sur la photo, Bernard Marie, les partenaires aussi. Madame, mesdemoiselles, messieurs, je crois que toutes les mains avec Jean-Paul peuvent se lever parce que vous avez devant vous sûrement des plus beaux podiums des cyclocross français aujourd'hui à Dijon. Ah, je crois qu'on peut leur faire une seule et grande ovation. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Est-ce que... Et on va remettre les filles avec... Est-ce qu'elle est arrivée, celle qui s'est imposée? Est-ce qu'on a donc la gagnante? La gagnante, je me rappelle, Solène Billois. Solène Billois, est-ce qu'elle est là? On va être obligé de laisser le podium. Allez, c'est bon, hein? Oui. Allez, on avance un tout petit peu, s'il vous plaît. Est-ce que Solène est arrivée? Non, oui, non, pour l'instant on nous fait signe non. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Ils attendent une nouvelle fois, évidemment, de la rondie, là. Ben voilà, pour les faire avancer, mesdames, messieurs, je crois que c'est une dernière fois, je crois qu'on peut leur faire une seule et grande ovation à l'ensemble de ce podium, mais surtout, évidemment, à l'ensemble des pelotons aujourd'hui, Jean-Paul, parce que vous nous avez fait vivre un grand moment, voilà, avec le président. Je vais vous laisser, évidemment, à la fin, Jean-Paul, avec le président du SCO Dijon, Régis. Je vais, Régis. Quand même 4 du cross team devant, donc ils ont joué un peu la course d'équipe et puis après quand Loris a embrayé, bah, c'était fini. Là, derrière, ça, l'élastique s'est cassé et c'est vraiment parti très très fort. Et quel bel hommage, Steve Chanel, pour le club que vous présidez. Bon retour à chacun de vos foyers et à nous tous. Et on vous dit donc, je vous dis donc, peut-être le week-end prochain, le 12 et 13 à Auxerre. Merci Jean-Michel, très grand plaisir de travailler avec toi également. Voilà donc, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur un prochain cycle. Deux camions.
Bon.